Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies? Tu n'as qu'à observer ton père. Il ressemble de plus en plus à un ours. Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi? Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé. Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi. Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs. Merci, Cindy, mais c'est peine perdue. L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler. Je le traîne comme un boulet. Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi. Ah bon? Tu as raison, ma libellule. Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira. Bonne journée, tout le monde. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa. Ouais. Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant. Oh, vous êtes si délicat. Osez la rose, monsieur. La rose guérit la morosité. Vous êtes une perle, Grégor. La clientèle est ravie. Quel appétit d'ogre, mon chéri! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler. Oh! Mon soufflet au caviar! Eh ben, faut pas te gêner! Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi! C'est plein de vitamines! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd! Mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre. Grégor, j'en appelle à ton végétarisme. Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte? Oh, vous mettez un de ces bazars en jouant? Je pars faire une course. Soyez sage pendant ce temps. Bonjour et bienvenue, madame. Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin. Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami. Vilain toutou bas, pipi dans le pot. Personne ne parle ainsi à Chouquette. Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton. Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire. Grégor, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Vous êtes viré! Au secours! On grenouille ici! Regarde, papa, mon beau dessin! Ah!
un plan fleuriste. Est-ce que ça a marché? C'est une expérience très enrichissante. Besoin d'aide, ma chérie? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi. Tu vois comme tu peux être délicat. Merci, mon papounet. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir? Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée? Moi? Je me suis mouché dans ton dessin? Papa! Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre! Fais quelque chose, papa, il va manger Candice! Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi! Vous êtes aussi forts l'un que l'autre, c'est juste que lui, il a pas peur. Hé, hey, sauvage! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette. Ah, au secours, maman! Ah, allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre. Trop marrant, les clowns! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile! Yeah. Oh non! La tristesse et la joie de papa sont aussi sorties de son corps! Grégor, mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette. Stop! Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari. Allons, mon Grégory Chou, calme-toi. N'aie pas peur, ta libellule est là. Ça suffit, Grégor. Cesse ces enfantillages. L'ogre au chagrin, mon ogre adoré. Tiens, ton fruit préféré. Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri. Je t'aime comme tu es et tout entier, et même avec ta part d'ogre. Merci, ma libellule. Moi aussi, je t'aime. Mmh.
Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame. Dis-moi qui est la plus belle. Ma frangine ? Ah ! Dis-moi qui est la plus cruelle. Cette crapule de venima ? Hein ? Bon, ok, mais c'est quand même moi la plus vilaine. Cindy, plus vilaine que moi! C'est le pompon! Bon, dégage! Je vais arranger ça. Ah, voilà! Transformer une peste bien éveillée en princesse bête comme ses pieds. Antidote d'un prince, faites la conquête et retrouvez toute votre tête. Parfait! On va voir qui est la plus vilaine! Qui peut bien avoir laissé cette délicieuse pomme d'amour sans défense? Tant pis, si personne n'en veut, je n'ai plus qu'à la donner à Tom. Hop, 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 personne ne touche à cette pomme et encore moins le Minus. Alors, c'est qui la plus vilaine? Moi le papillon. À table! Vous n'avez pas vu Cindy? J'espère qu'elle n'a pas oublié notre après-midi ciné. C'était pas la sonnerie du portable de Cindy? Ah! L'imagination des enfants! C'est Tata qui s'amuse à faire le canard! Coin, coin! Debout, face de glace! Montre-moi où est passée cette gourde de Cindy! Belle bienfaitrice, comment vous remercier pour cette exquisite Cara de fesses, c'est notre princesse. T'es notre nouvelle Blanche-Neige. J'adore la neige. Ah, c'est à moi de sauver cette cruche. Dois-je te rappeler que tu as été banni du monde féerique? T'occupe, face de vitre. Je sais passer incognito quand il faut. Dis-moi où est Cindy ou je dis tout à maman et papa. T'as pas des devoirs à faire? Bon, ok. Mais si tu mouchardes, je te fais transformer en cafard puant. J'espère qu'un jour mon prince viendra. S'il était méga mignon, ce serait vraiment le pompon.
Et vous êtes qui, vous? Ma chère et tendre Cindy, je m'inquiétais tellement pour toi. Oh, tu ne me reconnais pas? C'est ta petite maman. Ouais, j'ai une maman chouette. Cindy, tu es sûre que c'est ta mère? Elle est quand même beaucoup plus moche. Il va voir qui est le plus moche, le nain de jardin. Cette fois, me dit quelque chose. Quoi, ma voix? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Lâchez-moi tout de suite. Super ton plan, Tata. Laisse-moi réfléchir, le nain. Le nain? Mais oui, évidemment. Nain perché. C'est toi, le nain. Mais qui, toi? Je suis le frère de... lui. Ah bon? Attends, mais si t'es son frère, je suis aussi ton frère, alors. Ah bon? Et le mien? Oh. Ah bon? Tais-toi, Nigo. Tu peux pas être notre frère. Blanche-Neige et les huit nains, c'est pas possible. Non, on est sept. Premier, deuxième, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ah ben oui, le compte est bon. Et comment tu t'appelles, frérot? Rigolo, le nain le plus drôle du monde féerique. Une princesse ensorcelée? Souffrez, madame, que d'un délicat baiser je vous délivrasse. Je dormais, crétin! Oh, une princesse qui a du caractère, j'adore. Cindy! Cindy, réveille-toi! Hein? Je faisais un rêve trop beau, je rencontrais mon prince! Justement, j'en ai un à te présenter. Il nous attend dehors. C'est où les toilettes déjà? Il est parti, Rigolo. Oh, comme c'est triste. Il allait me présenter un prince en plus. Oh, mon beau prince, d'affreux nains ont kidnappé ma chère nièce. Pourriez-vous nous aider à la délivrer? Vos désirs sont des ordres, ma beauté ombrageuse. Alors, au boulot! Oh, tiens, et là! Ah, voilà. Antidote d'un prince fait de la conquête et retrouvez toute votre tête. Séparons-nous de ces pots de colle. Je n'ai jamais aimé que vous.
Bats les pattes, le bel âtre. Je suis pas ton plan B. Alors tu resteras toujours avec nous. On ne te laissera jamais partir. Jamais, 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 jamais. C'est quoi ce délire? Ma princesse. Qui veut un bain de pied? Mes princes.